Suis ton instinct. C'est la seule et unique chose que tu as besoin de faire pour manifester la vie souhaitée. Mais le problème, c'est que trop souvent notre mental nous joue des tours. Il nous fait croire que c'est notre instinct. Notre instinct nous dit d'aller à gauche. Notre mental nous dit d'aller à droite. Notre mental, il nous fait croire que notre instinct nous a dit d'aller à droite, alors qu'il voulait qu'on aille à gauche. Suivre son instinct, c'est apprendre à mettre des choses de côté. Suivre son instinct, c'est savoir faire des sacrifices. Ton mental, il agit sur le point matériel, le point physique. Ton instinct, il agit sur une autre dimension. Donc quand tu as un doute, c'est ton instinct ou ton mental qui te dit d'aller dans telle ou telle direction, pose-toi cette question. Qu'est-ce que j'ai à perdre si je prends la direction de gauche? Sur un point de vue physique, sur un point de vue matériel. Et là, tu t'apercevras que ton mental, il veut pas ça. C'est pour ça qu'il te dit d'aller dans une autre direction. Il te dit, il faut suivre la réglementation. Il faut suivre les codes sociaux. Il faut suivre toutes ces croyances que l'on t'a instaurées. Mais il y a une petite voix intérieure qui te dit, va là-bas et va pas là-bas. Prends l'autre direction. Ce n'est pas parce que personne n'y a mis les pieds que toi, tu ne peux pas le faire. Si ton instinct te dit que tu en es capable, suis ton instinct. Personnellement, souvent, j'ai dû faire des sacrifices pour suivre mon instinct. Dernièrement, j'étais en Inde et j'ai décidé d'aller à Koh Phangan, en Thaïlande. C'était pas prévu. Donc bien sûr, tu peux l'imaginer, ça engage des frais qui n'étaient pas prévus. Et je ne regrette absolument pas d'avoir suivi mon instinct. J'ai rencontré des gens extraordinaires. J'ai appris énormément de choses qui vont me servir pour la suite. Parce que la vie, c'est un processus et tout ce que tu apprends aujourd'hui, tu peux t'en servir demain. Mais le problème, c'est si tu écoutes constamment ton mental, tu ne vas pas pouvoir absorber autant d'informations que si tu suis ton instinct. Parce que ton instinct va souvent t'emmener sur des terres inconnues. Ton instinct va souvent t'emmener voir certaines personnes que tu ne connais pas, expérimenter de nouvelles choses, par ce fait apprendre davantage. Autre chose que j'ai faite personnellement, en suivant mon instinct, il y a 5 ans de cela, je suivais une école de bartender pour maîtriser le bar parce que je travaillais dans l'événementiel. J'avais payé plusieurs milliers d'euros cette école. Et au bout de 2 semaines, pouf, je me suis envolé. Parce que mon instinct me disait, passe plus de temps avec ces personnes. Elles ont pas mal de choses à t'apprendre. Je parlais pas anglais, ces personnes-là m'avaient accepté. Mon mental me disait, reste dans cette école. Tu as payé 3000 balles. Reste dans cette école. Tout est déjà versé. Mais mon instinct me disait, l'argent est déjà dépensé. Le temps que tu as à disposition, tu le possèdes toujours. Comment tu veux l'utiliser? Tu veux le passer dans cette école à apprendre des choses que tu sais déjà et qui en soi ne vont pas vraiment te servir parce que tu commences à te détacher de ce monde d'alcool, de cet événementiel. Ça m'intéressait de moins en moins, mais vu que j'avais payé cette école, je voulais absolument y rester. Ça, c'est mon mental qui parlait. Et mon instinct me disait, prends tes ailes et envole-toi. Chose que j'ai faite. Est-ce que je le regrette? Ah, absolument pas. La première fois que je me suis mis à voyager, je me suis dit, ok, tu sais quoi? Prends un billet d'avion sans retour, pars le plus loin possible. Tu verras ce qui se passe. Fais confiance à ton instinct. Agis. Faire confiance à son instinct, c'est ne pas savoir ce qui va se passer par la suite. C'est savoir être vulnérable, savoir lâcher prise et faire confiance à ce que tout ce qui doit se passer se passera. À l'heure actuelle, je viens de prendre une décision assez importante. J'étais en train de suivre un programme de yoga. J'avais ma dernière semaine, la semaine prochaine, et j'ai décidé de ne pas y aller parce que j'ai d'autres priorités. Donc j'aurais demandé si je pouvais faire la session en septembre. Peut-être ça va être possible, peut-être pas. Mais en attendant, mon instinct me dit que je dois m'occuper d'autre chose. Mon instinct me dit que ma priorité n'est pas là. Mon instinct me dit de faire d'autres choses que ce que j'étais censé faire. Suivre son instinct, c'est savoir changer ses plans. Peu importe les conséquences que cela va engendrer. Donc si tu as un doute entre ton mental et ton instinct, suivre son instinct, c'est bouleverser le tout. Parce que ton mental, il avait déjà tout organisé, il avait déjà tout planifié. Et ton instinct te dit,
Tout ça, mets-le de côté et prends une nouvelle direction, avec des nouvelles opportunités qui vont s'offrir à toi. Le problème, si tu sais pas quelles vont être ces opportunités, mais ton instinct te dit d'aller là-bas. Suis ton instinct quoi qu'il en coûte. Temps, argent, investissement, sacrifice. Suis ton instinct et tu manifesteras la vie souhaitée. Tel est mon message. Suis ton instinct. N'écoute pas les gens. N'écoute pas ta tête. Suis ton instinct. Donc bien sûr, une des façons les plus simples pour apprendre à suivre son instinct, c'est d'apprendre à mettre son mental de côté. Et ça, tu le fais via la méditation, via le yoga. Donc tu sais quoi faire. Le problème à l'heure actuelle, c'est que les gens veulent le résultat, mais ne veulent pas les efforts qu'il faut procurer pour obtenir ces résultats. Si tu veux apprendre à mettre ton mental de côté, à le diriger et à faire en sorte qu'il arrête de te contrôler et de te faire croire que cela est ton instinct qui te parle alors que c'est ton mental qui te parle, la technique, c'est la méditation. Donc ce que tu dois faire, c'est t'asseoir par terre et méditer. Il n'y a pas d'autre solution. Suis ton instinct et arrête d'écouter ton mental et tout se passera bien. Sur ce, passe une bonne journée, ensoleillée, prends soin de toi et on se voit bientôt.